celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ships are AB 23. The general radio is. UDB2 sont AB 23. AB 23, t'as vu, je note toujours mon fou. BA 13. No. BA 01. Qu'est-ce qu'il raconte? It's useless. I won't be able to remember this. Ils ont pris un cassos là. Ils n'arrivent pas à retenir trois chiffres. Cassos. It's useless. Ouais. C'est allumé. Je sais pas. Ah, pourquoi tu avais l'alarme? J'ai pas essayé. C'est quoi ces conneries? Ah, je peux mettre l'alarme. Attends, il est quelle heure? 7h50 du matin. Je vais régler l'alarme. Merde. Shut up! Tais-toi! Je crois que j'ai mis ça au hasard. Et. Ah, je peux piquer un truc, non? Vite. Hop! Tiens, je t'ai piqué ton document! Dans le cul, Lulu! Where did the documents go? Ouais, je sais pas. Sur oh mes documents! No. I forgot! My patrol ship, I have to go! J'ai oublié, bon. Mes documents! Bah, vas-y! Casse-toi! Il patrouille, c'est ça? Allez, casse-toi! Patrick, c'est pratique d'être un fantôme, hein. Mais qui traverse les salles, y a pas de problème. Alors attends, donc là c'est la même chose ou pas? Ah non, je peux ouvrir comme je veux. Super. Alors, est-ce que ça me donne un indice quelconque là, c'est un morceau de papier là. Instruction pour le télégraphe. Je peux trouver le télégraphe, merde. Quand vous utilisez le télégraphe, il est impératif d'utiliser correctement les chaînes. Référencez-vous à la liste, d'accord. Oh là 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 là. Ça me rappelle Pénombra là avec le morse. Fallait envoyer des. Fallait réceptionner une communication en morse. Ça, c'était épique, ça. Ouais. Faut pas faire BA10, sinon c'est. C'est utilisé qu'en extrême urgence. BA10. BA10. Ouais, on parlait pas. BA10, d'accord, mais. Ça n'a rien à voir avec ça, toi. Ah, je pouvais. Attends. Il y a intérêt à reboucher ça. Non, je crois qu'il n'y a plus d'intérêt, parce que. Et il y en avait une autre en face, en plus. What were you doing? That demon could show up anytime. Mais qu'est-ce que vous faites? Le démon peut se montrer n'importe quoi. I'm sorry. The telegraph. Je suis désolé, le télégraphe. I'm going to get some rest now. Je vais prendre un peu de repos maintenant. Ah! Bim! 1-0. Tac. Ah, par contre, le télégraphe. When is the light going to turn on? Peut-être que la lumière va pouvoir apparaître. Eh ben, j'essaye, hein, je m'y mets, hein. Je mets du mien, mais il y a un connard de fantôme qui m'empêche. Elle avait dit, fouille les pièges, fouille les chiottes, on fouille les chiottes. Vite. Il y a le croque-mitaine qui arrive.
Vite. Ouais, et je m'en fous de ça. Je m'en fous de ticket de merde. Attends, il m'a pas donné quand même un ticket pour le casino? Non. Mais c'est une blague ce jeu. Ah, quoique, si t'as pas fait le casino, ouais. Ouais, mais c'est quand même une blague ce jeu. Donne des tickets. Ça fait longtemps que j'ai fini le casino, quoi. Mais qui reviendrait dans le casino pour aller le faire 3 ans après, quoi? Peut-être qu'il faut le faire à la fin du jeu, tu vois. Difficulté. C'était le. La partie la plus difficile du jeu, mais bon, là, je l'ai déjà torché, quoi. Bididididit. Fais les placards. Mais quand il arrive? C'est ça qu'il y a un monstre qui a te violé? Non? Non? Non, monsieur, s'il vous plaît. Oui, cette connerie de télégraphe. T'as dans les chiottes quand même. Dans les chiottes? Non. Non, non, je vais pas fermer. Je vais ouvrir ça là. Ne me viole pas! Bon, ici je pense que c'est pas possible de passer parce qu'il est en plein milieu. Alors. Truc. Ah, il y avait 2 pièces avant là dans le couloir d'avant? C'était où ça? En faisant le tour? Attends, on va voir ça. Putain, mais fais pas peur comme ça, toi, là. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas... Petite sauvegarde. Sauvegarde de la lucidité. Alors. Ça. Et d'accord, on peut pas y aller. C'est pour monter. Tiens, mais attends. Non, ça me dit rien. Il va peut-être pas avoir les portes bloquées ou les portes non bloquées, mais on voit rien du tout. Je suis pas allé là. Enfin, j'ai pas insisté ici. Alors, y'a quoi ici? Oh là 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 là. Tu m'étonnes que j'ai pas insisté, à tout moment je peux me faire choper là. Monsieur, ça va? What's that sound? Mais qu'est-ce que c'est que ce son? It's coming from the control room. The demons. A quand même une obsession pour les démons. Hein. Mec, engagez-vous. Engagez-vous, qui disait. Donc la salle de contrôle, d'accord? C'est ça la salle de contrôle? Vais allumer toutes les lumières là. Que c'est ici? Ah. Ouais, la barre de vie, j'aurais préféré avancer. Avancer dans le jeu. Hop, regarde celui-ci. Ok, y a rien. Ouais, j'ai que 2 âmes, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'aller voir l'autre. Excellent cette pièce! Ah, si je commence à m'enrhumer, moi. Bon. Quoi? Je suis revenu. Ah non, j'ai pas fouillé ça. Je vais dire, je suis. What? Non, c'est bon. Ah, j'ai cru que c'était encore un. Un vieux truc de.
The Mind Funking là, avec deux pièces qui se ressemblent. Someone, please. T'inquiète. Je vais tuer tous les démons. Ah, télégramme. Télégramme, télégramme. Ah merde, faut que je note. Vous êtes sérieux? Non. Oh! J'ai entendu le. Ah! Alors. Faut que je fasse. B à 10, je suis sûr. Donc ça fait. Bah, il vient pas ici, hein, le monstre, hein, j'espère. Hein. Le roi machin, mes couilles. Hein. Alors. Un long, trois courts. C'est bravo, il joue à la pénombre, quoi. Un court, un long. Ça fait BA. Il faut que je fasse 10. Un court, quatre longs. Et 5 longs. Ok. Il faudrait que j'apprenne un jour ce langage, on sait jamais, ça peut aider. Écrit là, un truc écrit là, quoi? C'est B A 10, ça. Et après, faut dire quoi? Faut dire SOS? Il y a un truc sur la table, là, mais c'est illisible. C'est écrit quoi? Attends. SOS. On dit SOS. Ouais. Ok. Par contre, ou sinon faut que j'écoute ce que le mec il envoie quoi. Bah, je vais essayer SOS. Ok. C'est mieux fait que tes deux bras, ça, c'est moins low cost. Au moins il y a deux boutons, c'est clair. Ah, c'est écrit sur le côté. C-R-E-A. Est-ce que c'est pour créature? Alors. On va y arriver. Un long, un court. Un long. Putain, qu'est-ce que j'ai écrit moi? Un court. Un long, un court. Un court. Un court et un long. Ok. Ça, faut pas écrire créature, hein, parce que. Je sais pas comment je devinerai. Un court, un long, un court, un court, un long, court, 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 un long. Touche mon sgeg. Ça marche pas. Ah non, attends, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bien ça. Un long, un court, un long, un court, un court, un long, un court pour le E, et un court et un long pour le A. J'écris autre chose. Donc, un long, court, un long, court. Court, un long, court, court, court et un long. Ouais. Attends, je vais écouter. Je vais ressortir. Je vais noter ce qui essaie de faire le mec.
Bah, c'est ce que j'ai fait. Truc de merde. Mais si tu finis pas ta phrase, comment je fais moi? Hein? Comment je fais? Je devine le reste du mot? Petit con. Ah mais attends, je me suis peut-être gouré par rapport à ça. Je suis peut-être. Ah, pourquoi il m'a mis AA? Connard. Et à 10. D'accord, c'est ça, hein. Et je me suis fait arnaquer, là. Il m'a bien remis AA. C'est quoi, cette arnaque? B à 10 est strictement interdite. Sauf dans les cas d'urgence. Ok. B à 10. D'accord. Alors, NAC! C'est lui qui remet ça, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il fout. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Pourquoi je suis rejeté? Pour. Okay, je comprends pas. Et puis c'est vrai que c'est je suis rejeté du truc. My sister. My sister Kree has been waiting a long Kéa. time. Sa sœur. C'est le frère de la petite là, non? Ma sœur Kréa. Maintenant, depuis longtemps. This is a music box that my sister gave me. C'est une boîte à musique que ma sœur m'a donnée. Ok. Allez, souvenirs. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu tristounet comme quartier quand même. Slash sur l'église. Ok. Un panini avec un piano. Silent Hill style. Ah, c'était pas ça. Moi, ce qui est cool, c'est qu'il te. Ah, attends, mais si ça me renvoie à chaque fois, j'ai trouvé la première note. C'est ça. Ah, c'est la première note. Enfin, bon, j'en ai pour 3 ans à trouver. Donc il y a un orgue qui est. Donc là j'ai fait le tour. Que je dépose un bouquin sur l'hôtel. Le bouquin. Le bouquin des étoiles. Non, c'est pas ça. La gloire. La wisdom, c'est le. Je sais pas si ça se dit le savoir. Le savoir. Quoi ça, honneur? Honneur. C'est pas un ancien mot pour dire honneur? La vérité. Et la paix. Ouais.
censé dîner grâce à ça. Il n'y a pas l'horaire là. Je suis censé dîner grâce à ça, les notes que je dois toucher. Ça va être dur, hein. Ok. Je suis dans la merde. C'est officiel, je suis dans la merde. Alors, nouvelle énigme de qualité. Est-ce qu'il y a un indice ici? Un petit indice, s'il vous plaît. Je peux faire toutes les notes de musique quand même. Est-ce que je suis capable, hein? oui. Ah, mais j'ai la boîte de musique. Est-ce que je peux l'écouter? Mais il va pas l'écouter? Merde. Ça pue. Bah on va s'emmerder, hein. La suite du jour à tout essayer. Hein. Ça commence la litraille. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ah, tiens quelque chose. C'est pas ça. Mais ils sont sérieux? Ils sont pas capables de me donner un indice? Trouver deux premières notes, hein. C'est un exploit. Pas grave, j'ai tout mon temps. Pas de problème. C'est Simon Says. Mais sans les notes, sans comprendre ce qu'il faut faire. Je suis chaud. Ça va. Je joue au con, hein, il me donne pas d'indice, mais on va y aller freestyle. Ah! Non, c'est pas ça. J'ai cru que c'était les notes s'enchaînaient, les notes blanches. Énigme de qualité. C'est comme ça que moi je résolvais les énigmes de Silent Hill, non? Du piano, moi j'y allais comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mec, et encore, dans Silent Hill, il y avait une énigme. Hein. Enfin, il t'aidait un peu quand même. Il y a un semblant d'aide. Il n'y a même pas d'aide. Si, débrouille-toi. Merde, j'ai déjà fait celle-là. Je l'ai faite celle-là? Non, je l'ai faite. Non! Trouvé. Attends, j'ai commencé à noter parce que j'ai oublié là. Donc, je vais mettre énigme org de merde. Voilà. Deux points. Un. Deuxième blanche. Deux. Troisième blanche.
3, quatrième blanche. Quoi, le titre? Il est bien? Il est bien mon titre? Le titre? Iconite? Unite bot. Le mec a rien installé. Pourquoi tu l'as changé? Quoi? Qu'est-ce qu'il a le titre? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux changer le titre du stream? Qu'est-ce que tu m'embêtes? Il est vraiment perturbateur. Quoi, tu veux que je mette plus title? Ça marche pas, ça. Comme je suis con, je suis mythe. Ouais, non, non, y a rien à essayer. Ah. 5, c'est la cinquième noire. Il y a combien de notes à faire là? Tu peux cumuler les bottes? Parce que j'ai vu d'autres bottes qui avaient l'air sympa. Faut revenir en arrière. Non. Donc 6. Sixième blanche. Putain, le truc de fou, quoi. Ils veulent que je fasse une. Il faut une partition de musique, quoi. Ça. J'espère que ça dépasse pas les 10 notes parce que ce serait abusé. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est vraiment une ligne de merde, ça. Enfin, c'est pas une ligne, c'est. C'est genre appuie au hasard sur les touches et on verra bien ce qui se passe. Quoi? Tu voulais changer le titre? Tu voulais mettre quoi? Putain, voilà, j'ai fait de la merde. De quoi? Tu voulais changer le titre, genre mettre que c'était Call of Duty? C'est ça? Tu veux mettre quoi? Vas-y, je change le titre si tu veux. Attends, je sais plus là. Oh! 7, 5ème blanche, tu lui mets quoi? Tu lui mets venez voir le joueur d'orgue. Concert en si bémol. Qu'est-ce que tu lui mets? Donc c'était celle-là. Stop l'aleph. Pourquoi? Hey, je te lâche pas tant que tu me dis pas ce que tu voulais faire. Oh! Je suis trop fort! Je suis trop fort! Ah, ça me fera des viewers, ok! Ok, j'ai pas compris. Ok, j'avais pas compris. Exprime-toi bien! Exprime-toi bien, Casu. J'avais pas compris que tu comptais les bots comme des viewers. Bon, moi, je les compte pas comme des viewers. Exprime-toi bien. Je comprends rien. C'est celui-là.
sort de là, et hop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, y'en qui ont cet escalier? T'en aurais dit jeu récent, là, genre... Ah, comment ça s'appelle? SCP. Tu descends d'escalier pendant 3 ans. À la recherche de quelque chose qui te fait peur. Tiens, tu devrais tester, Casu, un bon jeu de cassos. SCP conteneur, là, ou je sais pas comment il s'appelle. SCP quelque chose, là. Des jeux SCP, tu vas kiffer. Un gameplay enrichissant. Putain, mais les endroits glauques, quoi. T'es dans une église, y'a une prison, quoi. Garde la pêche. Ah bah c'est pas sincère? Au gosse? What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu pour exécuter les ordres de mon grand-père, c'est ça? J'en ai rien à foutre! Vous pouvez me tuer maintenant! Ah mais c'est bon, calme-toi, tiens, votre musique. Cette musique! Où avez-vous vu cette boîte à musique? Sur le cadavre de ton frère! C'est vrai? 15 000 vues? Très fort. C'est la pierre bleue! J'étais dans le train! Finalement, quelqu'un à qui je peux parler? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ok, je peux vous faire confiance? Que mon frère ne l'aurait pas donné à n'importe qui, je dois vous demander pardon. La pierre bleue a été volée par mon grand-père. L'autre morceau. J'ai fait plein de recherches. J'ai besoin de votre fragment pour détruire la pierre rouge. Je vous le promets, je retrouverai l'autre morceau de pierre. Mais en échange, je voudrais pas rester là. Putain, bordel de merde! Donnez ça à mon frère. D'accord, bah je vais lui donner à ton frère, t'inquiète. Quelqu'un pourrait arriver. Faut se casser. Bah c'est normal, Slenders. 15 000 vues, bam! Tu veux que je mette Slenders sur mon. sur mon truc? Sur mon layout, tu veux que je mette Slenders? My sister and you have met. Destiny has taken another course. Ma sœur et moi, ma sœur et vous deviez vous rencontrer. La destinée a pris un autre chemin. Eh ben c'est cool. Ça fait une âme en plus. Oh, j'ai la pierre. C'est quoi ça? C'est pour sauver. En tant que j'ai pas d'électricité, je suis un peu dans la merde. Alors. Merde. Et là, je peux rien faire ici. On se casse. Ah, le fantôme de pirate là qui va revenir là. Le fantôme du roi pirate là. Je vais appeler comme ça. Bon, toi, tu peux toujours pas. Why won't it? We have one six. Ouais, quand on est con, on est con. Attends, non, ça s'est fermé ça. Ouais, faut aller de ce côté. Du coup, Casu, il te reste quoi en jeu moisi là? À 0€? Il te reste des jeux là? C'est bon là, j'ai la pierre, je vais la mettre là-bas, et je vais parler
Aux deux oeuvres là-haut. Intérêt à me donner une clé parce que je suis un peu dans la merde là sinon. Ah non, ça c'est relou, faut que je fasse le tour. Non mais on devrait mettre Call of Duty Black Ops. Black Ops 3. C'est sûr, direct 1 million de vues. Tranquille, la main dans le slip. Par contre, oui non, faut que j'aille par là. Faut que j'aille par là. Ça casse ton PC. Non mais arrête, ça a rien fait sur ton PC la dernière fois. Ça l'a mis à l'épreuve. Tant que ton PC fume pas, ça va. Je vais continuer à mettre des jeux low cost. Je pense que c'était là. Ouais, c'est ça. Ton PC il fumait pas. Tac, je vais peut-être en profiter pour aller parler au gosse parce que. Faut que je vais chercher son âme. Il y a 28 âmes dans le jeu. Ça j'en ai récolté pas mal quand même déjà. Hein. Mine de rien. Je crois que j'aurais du mal à faire le compte, mais ouais, j'en ai récolté pas mal. Hein. Parler au boss. Comme j'ai exécuté son truc là de l'œil des poissons, il va peut-être pouvoir me donner son âme. Là, par contre, faut que je fasse parce que je peux tomber. Il y a un gros trou. Pas que je tombe dans la piscine. Ah merde. J'espère que je me suis pas fait avoir. J'ai ramassé son âme tout à l'heure. Non, j'ai pas ramassé son âme. Au moins que c'était le gosse, c'était le même gosse. Ouais, c'était peut-être le même gosse. Ou je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Au choix. Au choix. Du coup, je vais poser la troisième pierre. On va reparler au vieux couple à la con, là, qui me donne enfin la clé de la salle d'ingénieur, là. Qui me fasse avancer. J'avoue que psychologiquement, si je mets 5 bots, après ceux qui a toujours du monde sur mon stream. Bon, par contre, ouais, j'avoue, c'est un peu limite quand même. C'est un peu limite. Quand t'as plus de bots que de viewers et que ça va pas quoi. Déjà que je trouve que quand il y a trop de modos par rapport au nombre de viewers normaux, c'est un peu abusé. C'est comme chez toi quoi, quand on est 50 viewers. Please find it quickly. C'est tout? Non. Là je suis dans la merde là par contre. Faut un indice là. Be careful. Oh non. Non, je suis bloqué. Salut Arcane. Ça roule? Tu tombes bien. On va avoir besoin de toi. On va avoir besoin de tes lumières. Those guys. On va avoir besoin de ton cerveau. Il va me dire que c'est cassé. Il faut faire le tour. Super. Bah écoute, ça va tranquille. Là, j'ai un peu un timer sur la tête parce que là j'ai moins de 3 heures pour le finir. Avant que j'arrête le stream et c'est un peu chaud là. Faut que je trouve la suite du jeu.
T'avais suivi un peu le début du jeu, non? Echo Knight? J'avais commencé vendredi soir et je crois que t'étais passé, non? Je sais plus. Quand même pas mal de gens qui étaient passés. Hein. Ah mais Arcane on sait jamais hein. Tu sais tu peux lancer une idée à la con comme ça et... Tu as le droit aussi d'utiliser le guide en faisant genre ah ouais regarde là-bas si t'appuies sur l'interrupteur ça va peut-être faire quelque chose, je t'en voudrais pas. Je sais que j'approche de la fin mais... Attends c'est par là. C'est par là. Arrêtez de faire le tour pour comme un gogol. On va dire que j'en suis à l'avant-dernier chapitre quoi du jeu. Et faut trouver 4 pierres. J'en ai déjà trouvé 3 sur 4. Sauf que là je suis bloqué à ce niveau-là. Donc dans la partie des mécanos quoi. Et en gros. En gros, il n'y a pas d'électricité et faudrait que j'allume l'électricité, faut que je trouve l'électricité en fait. Donc on va refouiller toutes les pièces, ce qu'il y a qu'on trouve. Il y a rien à dire. When is the light going to turn on? Ça, j'ai fouillé à fond. Parce que là, je me fais agresser, tu vois, dans cette zone, il y a le fantôme du roi Arthur, là. Voilà. Fantôme du roi Arthur qui veut me bouffer. Casse-toi, 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 casse-toi. Oh non, il m'a touché? Non. Attends, je peux avoir ma vie? Non, je peux pas avoir ma vie. Si, condition good. Il m'a mis un coup. Genre l'écran est devenu rouge. Mais mis un coup au dernier moment. Enfoiré. J'essaie de fouiller les chiottes quand même. Allez, on court. Enfin, les douches. Les douches. Non, je vais me faire violer. Les douches. J'ai pas ma savonnette. Non. Donc en gros là, tant que je trouve pas l'électricité, je peux pas avancer. Parce qu'il y a une porte avec un code à entrer, mais c'est électronique. Si je remets pas l'électricité, c'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug graphique? C'est quoi ces conneries? Coucou! Il y a un trou dans le mur. C'est un bug ça. Merde, il peut venir là? Ah merde. Oh putain! Ah, il essaye de m'attirer. Non! Donc là, faut que je mette l'électricité déjà pour virer ce connard de roi. C'est sorti sur PlayStation 1. Je crois que c'est exclusif hein, la PlayStation 1. Je ne crois pas que ce soit sorti sur Saturn. Je suis pas sûr. À vérifier. C'est sorti en 98. Ouais, non, casse-toi. Non, non, il m'a coincé. Vite. Lâche-moi. Vite, en accélérant. Non, non. Ah putain. Ah c'est bon. Ah putain. En plus j'ai paniqué, j'ai utilisé des potions. Ouais, c'est le fameux trou. C'est ça. Ah putain. Bon. Donc là, ouais. En gros, j'ai deux dortoirs. Là, au bout du couloir jaune, je sais pas si je peux montrer. Il y a deux dortoirs, les toilettes et les douches. Apparemment, il n'y a plus rien à y faire. J'ai rien trouvé d'autre. Et je sais pas où est ce putain de générateur. Je suis en train de me demander.
à me dire. Putain, j'ai retesté les manuels, non, ça rien. Peut-être dû regarder dans la pièce à côté là des. La pièce à côté des dortoirs où il y avait le trou, il y a peut-être un indice. Non, ça c'est pour remonter. On s'en fout. Ouais, je suis bloqué là en fait. C'est trop lourd. Je vais revenir. Je vais reparler à. Il y a un matelot là encore ici. Là. Ah non, je vais voir. Bon, c'est pas grave. Là, il y avait un télégraphe en fait. J'ai dû envoyer un code. Et on fait un truc avec ça. Là. Multipass. C'est marrant. Je suis arrivé à un point où je dois essayer tous les objets. Ouais, c'est pas ça. Ouais, on va pouvoir trafiquer ça alors que. Alors que j'ai fini, d'accord. Bizarre. Mais sur l'électricité. It's quiet. Now I can finally rest. C'est silencieux. Je peux enfin me reposer. Ah bah cool. Cool. Donne-moi ton âme. À part ça là. Je sais pas, je vais refouiller là. Y'a rien. J'espère qu'il n'y a pas une vieille arnaque genre. Avec les coffres. Je vais peut-être aller donner mes âmes là. Donc Arcane, tu peux aller discrètement regarder une soluce et me donner un petit indice. Mais tu dis rien. Chut. C'est entre nous. So. Tiens, monsieur l'extraterrestre. Thanks. This is a special potion that I. It may be weak, but it has the power to. I believe this will be very useful for. With that book, you. Come again. Pour l'instant, ça n'aurait toujours rien changé. C'est qui a donné le dernier morceau qui me manque. You're leaving? De la pierre bleue. Je suis un peu bloqué là. Là j'avoue. J'avoue, je sais pas quoi faire. Là je crois que c'est la première fois dans le jeu où j'ai même pas un... Parce que là j'ai tout fait. Je sais que je dois mettre Je dois réussir à ramener l'électricité, mais le problème c'est que. Attends. Est-ce qu'on peut peut-être essayer? Ce qui est peut-être qu'en fait le code de la porte il marche peut-être hein, sans électricité. Hein. On va essayer des combinaisons de chiffres au hasard. Je vais reprendre les 4 chiffres. En gros, le Arcane, si tu veux, on a réussi à avoir 4 chiffres. Tu vois derrière le fantôme qui est devant là, ce Google. C'était 1, 6, 8, 9. Un problème. Warning, les liens ne sont pas autorisés. Il est pas obligé de mettre des liens, hein. Il me dit la soluce direct. Aïe, j'ai essayé de mettre à l'envers. Attends, j'ai essayé les combinaisons avec ces chiffres, comme ça. Donc ça, ça a pas marché. Ça. Moi, je suis un peu un cassos, hein. Je vais essayer toutes les combinaisons, ça explique que ça marche. Tac. Tac. Allez.
Ça fait six combinaisons, ça me rappelle. Ça me rappelle vraiment Silent Hill. Je testais comme ça, je m'en foutais des énigmes. Tac. 1, 6, 8, 9, 1, 6, 8, 1, 9. 6, 9, 1, 8. 6, 9, 8, 1. Ça va, de toute façon, il n'y a plus 4 chiffres, hein. Je vais y arriver. On va savoir très vite si c'est ça qu'il faut faire. Sinon, c'est ma tétricité, là, je suis dans la merde. 8, 1, 9, 6, 8, 1, 6, 9, 8, 6, 9, 8, 6, 9, 1, 8, 9, 1, 6, 8, 9, 6, 1, 9, 1, 8, 6, 9, 1, 6, 8. T'es arrivé à un moment très passionnant, Arcane. Je tente des combinaisons foireuses pour ouvrir une porte. Ça, c'est pas comme Resident Evil où tu mets la clé dans la porte et c'est fini. Oui, ça pourrait être une date, ouais, c'est vrai. Donc, ce serait un 1600 ou un 1900, c'est vrai. Mais au début, c'était 1689. Donc, c'était déjà une date plausible. Et. Okay. Voilà. J'ai toutes les combinaisons. Alors. 8-6. Moi, enfin, j'ai là-bas rien. 8-6. Enfin, je vais leur mettre. Et 1, 6, 8, 9, ça marche pas. Façon, il n'y a pas de bouton, pas de bouton pour valider. Attends, je regardais quand même. J'ai quand même des documents. Y a des notes? Ah oui, mais c'est la note sur les. Sur les fantômes, sur les personnages. Ça par contre c'est relou. Tu peux pas passer à 44. Ça c'est tous les personnages en fait du bateau. Et que tu rencontres. Ça c'est sœur jumelle, ouais. J'ai rencontré autant de personnages dans le jeu. C'est la folie. Ah bah c'est lui le connard qui me poursuit là. Le roi machin mes couilles là. Andrew Galloway. Gallowood. Andrew Gallowood. Le mec il s'est tépé de son château jusqu'au bateau quoi. Alan Rockwell. Celui qui a volé la pierre. Alors Arcane, si tu veux, pour l'histoire, en gros, il y a une pierre magnifique rouge. Get time out yourself. Qu'est-ce que vous voyez de ce time out tout seul? Modération low cost. Et c'est la modération normale, ça, hein? Donc calme-toi, là. Calme-toi bien, là, quasi. Bah écoute, hein, c'est pas mon problème. Il veut s'auto-censurer. Ouais, il y a une pierre rouge en fait arcane dans l'histoire. Une pierre rouge démoniaque et une pierre bleue, on va dire bénéfique, quoi. Et dans l'histoire, en gros, faut qu'on chope la pierre bleue bah, pour réussir à s'enfuir de cet univers. Et battre le démon. Le démon. Donc je te présente William Rockwell, le démon. Qui te court après dans des couloirs avec son couteau là. Est-ce que il refuse de vivre jusqu'à qui est d'accord. Ça c'est le papa, c'est le papa. Ah, alors c'est lui, donc Robert Danforth, le marin. C'est un peu un jeu low cost. Le marin de la salle la salle des placards là. La combinaison est 1689. Mais il semble qu'il s'est trompé. Donc il serait trompé. C'est pas 1689. Alors par contre, si je regarde mes items, j'ai le vieux bouquin de la prophétie. Est-ce qu'il y a une date dedans?
Non, il n'y a pas de date. Sinon, je vais tout essayer, en fait. Là, le document. Ça, c'est les instructions pour le télégraphe. Donc, de toute façon, c'est que des codes, hein, il n'y a pas de date. Voilà, et on est en 1937, hein, mais je pense pas que c'est ça. Ça serait dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec le code de base. Ça, c'était la prescription du médecin, c'était avant. Bon, le bouquin de la comète, je pense que là, c'est juste une énigme. Voilà. Et le bouquin du papa, son papa. 38 ans passés, ouais, bah par une. Par dire que ça fait. Ah, 1914. Bon, enfin, ça veut pas dire que c'est ça. Qui datait d'il y a 23 ans, ouais. Non, mais je pense pas que ce soit ça, je pense que juste que le fantôme, en fait, il s'est gouré. Et que il a inversé les chiffres, hein, tout simplement, hein, c'est un fantôme low cost. Donc, c'est pas ça la combinaison, donc on va essayer 89, 88. Non, apparemment c'est pas ça. On va essayer toutes les combinaisons. Donc 68, ça marche pas. Il est un peu con le fantôme, ouais. Il est un peu teubé, je t'avouerai. Bah attends, pour l'instant. Bah j'ai essayé à l'envers. Ah attends, ça ferait normalement. Si c'est 1689, ça devrait faire 4, enfin 9861, on est d'accord. Mais je crois que j'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc ce serait 9861. À part s'il faut faire rond et lui reparler. Why won't it? We one six. Faut appuyer sur la porte. Non, ça marche pas. Donc, logiquement, c'est pas la date à l'envers. C'est à l'envers de à l'envers. C'est un autre truc. Alors, 1800. Faire ça dans l'ordre. 1869. S'il te plaît. C'est pas ça. Par contre, j'espère qu'il faut pas appuyer sur la porte à chaque fois parce que franchement, c'est relou. Si c'est ça. Je pense pas. Vu qu'il n'y a rien pour valider, je pense pas. À mon avis, ça se valide tout seul. Dès que j'aurai trouvé. Bon, on va passer à 6, hein. Six, un, neuf, huit, 8, 9. C'est presque aussi relou que le code dans D. Je parle au connaisseur, hein, Kasumari. Le code de merde qu'il faut, à deux chiffres qu'il faut rentrer dans D. Un grand moment. Un grand moment de gameplay. Du jeu vidéo en général. Oh, j'ai trouvé! Bah, c'était pas du tout à It l'envers, enfoiré. opened. Enfoiré! Bah oui que c'est ouvert! It finally opened. Espèce de I must cassos. hurry. Espèce de gros cassos. C'est même pas écrire un 4 chiffres d'affilée. Ah, attends. Ouais. Vite, vite! Je sais pas si l'électricité marche pas. Je tente. Oh, ça marche! Ah, c'était pas le truc qu'on voyait à travers le mur? Genre le trou? Bah, à part que le fantôme est un gogol, ça veut en effet, y a aucune logique là-dedans. Oh non! Oh non, 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 non! Non, 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 non! Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je n'a, non, non, wow, 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 j'ai la porte, j'ai la porte, j'ai la porte, j'ai la porte, j'ai la porte. Allez, allez. Allez, ouais. My god, tiens, je vais te remettre le courant, enfoiré de fantôme de merde. Ça te fait une belle jambe, là, tiens. C'est bon, là? Attends, il y a encore derrière. Ouais. Tac. Tac.
quoi ça? D'accord. Ah, j'espère que c'est pas encore une énigme, genre. Bah non, c'est vrai. Non, c'est bon. J'ai eu peur que ce soit encore une énigme à la con. Genre, allumer les générateurs dans l'ordre, alors j'aurais pété un câble. Trop d'énigmes à la con. Attends, on va sortir du couloir de la mort. C'est quoi par là? Je vais dans un couloir, c'est ça? Et... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je suis de l'autre côté. Ah ouais, je suis carrément là! Début du jeu. La vache. Ah ouais, carrément. Carrément retourné au début du jeu. Eh? Y'a plus d'électricité? Qu'est-ce que j'ai foutu? Attends, il y a le fantôme du roi là qui va me poursuivre partout là. Ah, attends ça. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'électricité? Pourquoi j'ai fait ça? Attends. Ça m'a même pas aidé? C'est de la merde! Mais c'est de la merde! Qu'est-ce que je dois faire là? Faut que je parle. Non, c'est pas ici. De l'autre côté. Attends, c'est pas cette porte qui était fermée là? Non, ça c'est celle qui était fermée, ok. Il y en avait une autre. De l'autre côté. Il y a peut-être pas d'une clé là, l'autre là. La garde. Est-ce un garde? Je peux même pas savoir s'il y a de la lumière ou pas. When is the light going to turn on? Eh ben moi je voudrais bien le savoir aussi. C'est quand que cette putain de lumière va s'allumer? En fait j'ai fait tout ça pour rien. Ah, moi que c'était. À moins qu'il fallait retoucher à la boîte à fusibles qui est là-haut. On va faire une petite sauvegarde. Parce que toucher à la boîte à fusibles, c'est bad. C'est bad. J'ai failli perdre la vie au moins 3 fois. En même temps, j'ai touché les fusibles avec mes mains. Normal. Non, ah, c'est de la merde. C'est de la merde. De la merde. Bateau low cost. Attends, non, je vais pas passer par là. Je peux passer par là, c'est pas une bonne idée. Mais attends, mais... j'ai appuyé sur les... En fait, j'ai éteint partout. C'est nul. Le jeu essaie de m'arnaquer. Pas le retirer ce truc-là. De toute façon, je peux pas. Non, je peux pas intervenir. Pas un endroit où on redémarre le générateur. Donc j'appuie sur. J'ai éteint toutes les lampes. En plus, je pouvais pas retoucher au. Il y a un truc à faire, je suis sûr, au niveau du moteur. Je vais retourner après la pièce du moteur. Juste revenir sur le pont principal. Parce que je crois qu'il y avait un petit boîtier. Au niveau de la cabine de pilotage. Hein. Ce qui est chaud, c'est que dans le jeu, pas de lumière égale la mort. Hein. Les fantômes démoniaques qui sortent direct.
Et ce boîtier là, ça n'a rien à voir. C'est juste pour me dire, il y a une machine. T'as vu, c'est cool, il y a une machine. Ok. Donc, je pense... Je peux toujours pas conduire ça. Je suis pas qualifié. Je peux pas conduire le navire. Je pense... Ouais. J'ai un peu l'inventaire qui sert à rien. En fait, en gros, il y a qu'un seul objet qui sort dans mon inventaire, c'est la pierre bleue qui va me servir à battre le boss final, c'est tout. Et encore, il manque un morceau. Normalement, c'est une petite fille qui a l'autre morceau. Faut que je la trouve. Ouais, c'est bon. Bon. À mon avis, il faut que je revienne dans la salle des machines. J'espère que j'ai pas softlocké le jeu, genre fallait pas appuyer sur ce... fallait pas mettre les manettes vers le bas. Game over. Game over. Game over. T'apprendras à toucher aux manettes, petit con. Je crois que je vais être par là. Non. Perdu. C'est par là. En tout cas, le jeu il est assez bien fait sur les allers-retours pour pas trop se paumer. Et en même temps, avoir l'impression d'avancer quoi. Même si tu fais des allers-retours dans les mêmes couloirs, t'as l'impression d'avancer dans le jeu quoi. Est-ce qu'il y a un bouton final qui m'échappe hein. Ouais. C'est une connerie ça. Au bout d'un moment ça pète, c'est ça? S'ils sont tous allumés. Ah non mais le jeu il se fout juste de ma gueule. Merci le jeu. Tout à l'heure il voulait pas que je les remonte hein. Tout à l'heure. Je sais pas, vous êtes témoin, non? Il voulait pas que je remonte. Et là par exemple dans cette pièce. Ah oui mais il a cassé la lampe. Je vais dire dans cette pièce là c'est pas illuminé. Ah et la lumière fut. Ah attends. Il n'y aura pas de côté. Ce plan sert à rien. On va voir. Yes. Attends. C'est pas allumé là. Mais d'accord. When is the light going to turn on? Ce jeu. J'ai appuyé sur... C'est quoi l'embrouille? C'est quoi l'embrouille? Finally, ah si. Voilà. The light is on. Everyone will be okay now. Enfin la lumière! Elle est on! Enfin la lumière! Je vois la lumière au bout du tunnel. Allez, casse-toi. Voilà. Belle cinématique à travers le mur. Tac. En fait, je suis la faucheuse. Je vais récupérer les âmes. Les âmes des marins qui se sont échoués sur les côtes. Ok, alors ce qui est bien, c'est que j'ai sauvé tout le monde. Donc normalement, je devrais pouvoir remonter et parler au... Alors je sais pas si c'est le capitaine d'ailleurs. Mais parlez au responsable des marins là. Comme ça il va être content, il va voir que j'ai sauvé tous ces hommes. Et il va me donner la dernière pierre, j'espère. J'espère. Et avant de poser la dernière pierre, j'irai
Il faut que je retourne au casino. Faut pas que j'oublie. Apparemment, il y a un truc à faire au casino. Ah, est-ce qu'ils ont trop vu, ouais, c'est ça. Bah, t'étais là quand il y avait Arcane, il y avait le marin qui était complètement beurré. C'était énorme. Non, faut pas que je descende. Non, c'est pas cette porte-là. Je suis un peu paumé, là. Cette porte qui est là. T'étais là quand il y avait le marin qui était complètement alcoolisé. C'est trop bon. Le mec, il voulait que tu lui fasses une boisson d'homme, là. Il m'a cassé les couilles. À mélanger des cocktails, là. Ah, t'as raté ça? Le mec, qui était dans le couloir, il était complètement avivé. C'était pas mal. Il y en a qui ont supposé que c'était l'âme de Renault. C'était l'âme errante de Renault. Il y a eu des théories intéressantes. Alors, toi, j'ai sauvé tes hommes. Est-ce que t'es content? Those guys. They finally left. Ces hommes, ils ont enfin quitté. Thank you. Le navire. Now I will be able to rest in peace. Et merci, je vais pouvoir reposer en paix. Oh, c'est le militaire. America. Fuck yeah. Ouais, voilà, j'ai la dernière pierre. Oui. Oui, sauvegarde. Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. On va te faire une connerie. Tac. On approche de la fin, on approche de la fin, là.